أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. On a un problème avec l'intelligence. On a un problème de bonne compréhension. On a un problème d'approche des textes, tout simplement. Les textes sont là. Le souci, il est de notre côté. Vous savez que nos jeunes aujourd'hui, ils tirent leurs informations d'un texto. Un texto, ils reçoivent un texto qui leur dit « Les horaires de prière ne sont pas valables. » Et vous savez ce qu'ils font? Ils transfèrent. Ils transfèrent. C'est terrible. Tu reçois un texto, tu ne sais pas d'où il vient, et tu le transfères. Allez, tu rends caduque la prière des gens, tu sèmes le doute dans l'esprit des gens, et tu trouves ça normal. Je vous renvoie à YouTube. Tapez un juif converti à l'islam pour détruire l'islam. Joseph Cohen, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis. Toute la presse américaine l'a évoqué. Ils ont même fait une émission sur lui. C'est un juif sioniste qui a décidé de faire la guerre aux musulmans comme ses ancêtres l'avaient fait. Le matin, il se convertissait à l'islam, il passait la journée à la mosquée avec les musulmans et le prophète, et le soir, il faisait quoi? Il quittait l'islam en disant « N'adhérez pas à cette religion, on était musulmans, c'est une catastrophe. Voilà la vérité. » C'est dans le Coran ou c'est pas dans le Coran? Dans le Sourate? Ali Imran? Aminu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ils se convertissaient, ils apostasiaient pour semer le trouble et la zizanie. Ce juif américain s'est converti à l'islam. Alors, vous savez, c'est quoi une conversion à l'islam? Tu le vois? Masha'Allah. Allez, je fais exprès là. Masha'Allah. Oh, c'est un super musulman. Il a une ses barbes. Masha'Allah. En plus, elle est bien noire. C'est beau. Ouais. Vous verriez le costume. Allah. La sunna. Ah, c'est un musulman, il est dans la sunna en plus. Ouais. Tout ce qu'il faut pour mettre les musulmans simplés dans le gaz. Regardez ce qu'il y a. C'est tout. Al-Madhar. Et vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à tenir des discours de haine envers les non-musulmans, envers l'Occident, à coup de versets de hadith. Tu l'écoutes, Allah al-Adim, tu dis les musulmans, c'est le mal de la planète et de l'univers. Et en même temps, tu le retrouves à la synagogue en train de faire son prêche. Et vous faites circuler des textos, vous ne savez même pas d'où ils viennent. Vous ne savez même pas qui les a produits. Vous vous rendez compte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sahih de l'imam muslim, celui qui ment à mes propos s'est réservé une place en enfer. Une version du hadith dit, celui qui transmet un mensonge à mon propos s'est réservé une place en enfer. C'est-à-dire, lorsque vous colportez un hadith qui est faux, vous êtes aussi coupable que celui qui l'a inventé, le hadith. Et les gens, ils reçoivent des hadiths, ils font circuler. L'habit ne fait pas l'imam. Vous n'avez pas à prendre votre religion d'inconnu ni d'incompétent. Vous devez prendre votre religion de gens qui ont fait leurs preuves, qui ont la science, qui ont l'expérience, des gens qui, matin, midi et soir, se soucient du bien-être des musulmans de France. Les gens de l'UAF, ils sont tellement modestes et tellement sincères et ils ne sont pas dans la pub.
Ils disent rien, ils travaillent, ils se taisent. Mais là, c'est trop, wallah, c'est trop. C'est trop, c'est grave. Des textos qui circulent pour dire attention à l'UOIF parce que leur calendrier est faux, donc votre prière est nulle. Vous rendez compte? C'est-à-dire, ça fait 30 ans qu'on se trompe. C'est-à-dire, les savants qui ont pondu ce calendrier sont égarés. Le béaba de Usul al-Fiqh, c'est quand quelqu'un fait un ijtihad, il est doublement récompensé. Quand il a raison. Et quand il se trompe, Dieu le récompense une seule fois. Et toi, tu parles d'égarement. Vous avez vu le danger? Vous avez vu qu'est-ce qui divise la communauté? Si tu considères que le calendrier de l'UIF est erroné, ça ne fait pas des gens qui le suivent des égarés. Ça fait de ces gens-là, pour toi, des gens qui se trompent et qui seront récompensés par Dieu. Mais en aucun cas, tu n'as le droit de les taxer d'égarés. Sinon, c'est la division cellulaire. Toute personne qui ne pense pas comme toi est égarée. Et on ne s'en sort pas. On divise la communauté. C'est contre-productif.